Toltec va vous présenter le JT spécialiste. Alors on va vous demander de vous avancer, de venir derrière les caméras pour regarder ce super JT. Allez. Bienvenue à toutes les premières années pour cette journée d'été. Alors, comme vous le savez, dans les écoles, on élit un BDE. Cette année, il y a deux listes. Impulsion. Polémie. Pas beau, pas beau. Alors, il y a les deux listes qui sont là pour vous dire un peu plus sur elles, pour que vous appreniez à les connaître. Alors, bon JT. Bon alors, tout le monde attend. On va commencer par les gonzesses, hein, honneur aux filles. Pourquoi polémique? Pourquoi ce nom? Alors déjà, on doit vous dire qu'on est un groupe de filles, et les filles, on l'a remarqué, Léonard de Vinci sont surtout des gossipeuses. Et donc on s'est dit que voilà, c'était un bon projet, c'était une nouveauté, ça n'a jamais été fait. Et voilà, on voulait lancer une nouvelle mode, les filles qui polémiquent. D'accord, d'accord. Et vous, pourquoi Impulsion? Bah alors, c'est très simple. Très simple, on sait très bien que tous les étudiants aiment quoi? La musique. D'accord, d'accord, la musique. Qu'est-ce qui va avec la musique? C'est l'onde, la pulsion, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a avec la pulsion? On est dans la pulsion. Donc Impulsion, Pulve, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Impulsion, la liste à élire, le violet, et c'est ça! Voilà! Ah, t'es parti fort, toi. C'est parti fort. Okay. J'ai rien compris. Bien. J'ai rien compris. Moi, je me suis compris. Pourquoi avoir voulu créer un BDE? Alors déjà, c'est une liste BDE pour commencer. Pour avoir le monté. On a toutes les deux fait partie du BDE précédent et on a trouvé que c'était une très très bonne expérience. Je ne voudrais pas nommer ce super BDE, mais on s'est dit que voilà, on voulait continuer sur la lancée, à continuer toujours des nouveautés et toujours plus de choses pour les étudiants et on veut faire la fête, donc on veut des soirées. Donc pourquoi créer liste BDE? Donc le but de, contrairement aux demoiselles, notre but c'est pas de continuer, mais de commencer et innover et vous faire découvrir une ambiance de malade et un univers que vous allez voir. Et bien sûr, n'oubliez pas, Red Bull donne des ailes. Je vais vous demander de présenter votre liste en trois adjectifs. Les garçons d'abord, un peu. Ça viendra après. Alors, trois mots féminines. Innovante et fun. Je trouve que ça ressemble. Ça résume pas mal polémique, les filles! Alors, pour notre part, en voyant un peu la liste, ce que je peux vous dire, les trois adjectifs qui peuvent nous qualifier, pour commencer, c'est créatif, soudé et complètement taré! Créatif, soudé et taré. On enlève le complètement et on met taré tout simple, alors c'est très bien. Très bien. Bon, on va changer, on va commencer par toi maintenant, Sacha. Quels sont vos objectifs pour cette année? Est-ce que vous proposez un ou plusieurs nouveaux concepts pour la vie associative? Alors, c'est une très très bonne question. Ça tombe très bien que vous soyez là. On a quelques innovations, d'ailleurs beaucoup. Donc, pour commencer, vous allez bientôt découvrir une application Smartfund BDE. Donc ça, c'est vraiment une innovation de malade parce qu'on est là pour fédérer les trois écoles, l'IIM, les CIV et le MLV. Donc, les CIV, grâce à cette jolie école et aussi l'IIM, pour avoir fait tout ce qui touche à la créa et pour avoir codé grâce à Lessive l'application, pour avoir toutes les informations très importantes. Donc ça c'est la première innovation. La deuxième innovation, on va essayer de vous ramener très régulièrement des personnalités pour faire des conférences libres au pôle et vous puissiez découvrir différents métiers et différentes entreprises.
Ah où? Ouais. On passe aux filles. On passe aux filles. Alors, nous, on a choisi d'innover dans les événements qui étaient déjà un peu existants. Bon, les mecs, on va pas être copains, là. Alors, je vais parler comme ça, maintenant. C'est les anciens, ils savent plus quoi faire pour se faire connaître. Et donc déjà, au lieu de la journée de la Saint-Valentin, on fait une... Non mais... Non mais ils sont sérieux. Non mais Stan... Mais oui, on l'a fait. On n'est pas là pour ça. Donc, comme je disais, s'ils veulent bien me laisser parler, on a décidé d'innover pour le gala. Ce sera un lieu qui n'a pas été encore fait, mais on vous réserve des surprises pour la journée de campagne. On ne veut pas tout vous dévoiler. Les surprises sortiront en même temps que la journée de campagne. Et s'il va bien me laisser parler. Il y a la journée de Saint-Valentin qui a été remplacée par un autre événement. Bibis, vous laissez se taire, s'il vous plaît. Il y a Vin City qui se rebelle. Et on a aussi une application, alors comme l'a très bien expliqué Sacha, qui va bientôt sortir, pour pouvoir relier les trois écoles, sortir les événements, vous tenir au courant des dates. On a remarqué que Webmail n'était pas forcément lu par tout le monde, ce qui est bien dommage. Donc on a décidé de faire une application pour vous tenir au courant de tous les événements et de toutes les dates. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis à tous les événements déjà habituels. J'ai une question. L'application est-elle faite ou en cours? Nous ne dévoilons pas nos secrets de fabrication. Elle est prête, la nôtre. Oh, pression. Elle est prête. Nous, on va aller crescendo dans nos surprises. On veut pas tout dévoiler maintenant. Qu'est-ce que vous avez de plus que l'autre liste? Pourquoi Des mecs. On est mixte. Des hommes et des femmes. On représente tout le monde. Et une caquette. Oui, on est mixte. Polémique. Alors nous, on a des filles de toutes les écoles. On a aussi des garçons qui seront dans les staffs. Sexisme. On aura une mascotte qui sera élue par les étudiants, qui sera un mec. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres? Bah, anatomiquement, je crois qu'on a des seins. Mais sinon, il y a un autre. Et on en a aussi dans notre équipe, vous inquiétez pas. Vas-y, montre-les, Sacha, montre-les. Ah, ce sera demain, ça. Bien, on va passer à une deuxième partie de questions pour savoir si vous connaissez bien votre école et votre vie associative. Tu connais pas, Sacha? Tiens, prends un petit pistolet. Ouais, on peut jouer au cueil. Arrêtez, tirez pas, Il y a quelque chose à la clé qui est Flo. Pour celui qui répondra positivement au plus de questions, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne un shoot photo. Un shooting photo pour son BDE. Voilà, offert par Paltec, bien sûr. Attention. Dire pas, t'as gâché une de tes balles, toi, c'est fini. Merde. Faut tirer. Les perdants vont dans la piscine. Bon, faut être rapide. Premier qui tire. Quels ont été les 4 derniers présidents de BDE? Attends, faut qu'il dénomme. Sacha. Alors, Nabil pour Pullover. Ouais. Elias pour Vin City. Big up. Ouais. Ambre pour Fraternity. Ouais. Et Monsieur Jérémy pour Smarties. Oh, eh bien, 1-0. 1-0 pour les vieux. Et on révise, attention. Ah, on sait pas, on veut pas se mettre l'œil, on sait pas. Combien d'associations contre la vie associative? 28, monsieur! Je vais tirer en première, mais c'est pas grave. Bah, excuse-moi, ma prochaine, c'est toi. Non, si je connais pas la réponse. On a plus de balles. Quelle est la plus vieille association du pôle? Mathieu? Tu sais pas? Pôle Tech! Tu sais pas? Non, c'est pas. J'y étais l'année dernière. Big up, big up. Question un peu dure.
un peu piège. Quel était le poste de Balou avant de rejoindre Léo Campus? On fait répondre Mehdi? Non, mais... Moi, je pense avoir la réponse. Il était au service informatique? Ouais! Il est où Balou? Balou, il est où Balou? Balou! Balou! Il se cache. Enfin, en quelle année le pôle a-t-il été créé? 95. C'est bien, c'est piégeux. 95. C'est juste 95. Pour l'honneur, pour l'honneur. Ensuite. Tu l'avais, t'as pas tiens. Une question qui a été posée au JT l'année dernière. Connaissez-vous le nombre de toilettes totales au pôle? C'est celui qui se rapproche le plus. Vas-y. Honneur aux dames. 118. Moi, bah, je dirais plus dans les 500. Je crois que t'es un peu loin. 500. Combien? Plus, plutôt 500 que... 500? Ouais, plus dans 500, les 500, 18. Ouais. 18. Non, mais nombre de toilettes, de port de toilettes ou de toilettes? De toilettes. D'accord. Là où tu peux t'asseoir. Non, bah, plus. Non, mais plus, mais j'ai déjà répondu. Donc, ouais. La réponse est de 466. Ouais, ils les ont tous faits, ils les ont tous faits. Ah ben, on les essaye tous les jours. Attention. 15 mixtes. La question la plus piégeuse. Connaissez-vous la taille de Virginie Vallée? Elle est où, Virginie? On vous je dirais... à côté de nous. Virginie, rejoins-nous. Non, 1m60. Ah, des brouettes. Je sais pas. Virginie. Non, non, elle est... Non. Arrête, Sacha. Je l'imagine à côté de moi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, vraiment. Ouais. 1m57 pour polémique. 1m57. 1m57. 1m60 pour une pulsion, je dirais. Se cache. 62. Virginie, viens ici. Combien? 62. 1m62. Ah. Ouais, c'est une pulsion qui a donné la réponse. Je t'en prie. Elle est sur le plateau. Attends. Non, mais tu vas prendre. Ça, vous connaissez la taille? Ça vous donne. Ah, vous dites combien vous? 62. Non, 1m59. 1m59. 62. Virginie? 1m65. On est les plus proches! On est une pulsion! Elles vont finir dans la piscine! Mais on est déjà allés, nous, Sacha, t'es allé dans la piscine? Non, c'est bien. Flo, on va passer à la dernière partie qui consiste à faire répondre le public. Alors, est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont des questions pour les listes? Ouais. Allez. L'ancien président de Vin City. Big up Vin City. Ouais, on applaudit. Bon. Sincèrement, on connaît ces discours. J'ai tenu le même. Mais qu'est-ce que vous allez vraiment changer au niveau de l'ambiance dans le pôle? Moi, je veux l'entendre, là, devant la caméra. Je veux que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez changé au niveau de l'ambiance au pôle? Donc, je suis gentleman, donc honneur aux dames. C'est honneur aux dames quand ça vous arrange, bien sûr, je crois. Bien sûr. D'accord. Tu doutes du fait que je sois gentleman, Manu? Un peu, non. Je te l'avoue. Donc, maintenant, au niveau de l'ambiance, qu'est-ce que vous allez ajouter, concrètement? Concrètement. Bah, on a décidé de justement ça, être des filles pour pouvoir changer cette ambiance. Moins de prise de tête, plus de fun. On va plus gossip. Bah, ça plaît à pas mal de gens au final, les gossips. Donc, on s'est dit pourquoi pas jouer là-dessus. Ok. Très bien. Alors, moi, t'en veux combien? Une ou deux? Une. Je peux faire une bonne raison. Alors, comme vous savez, l'année dernière, nous, on est rentré au pôle. On a découvert toutes ces associations. Mais le but du BDE, c'est quoi? C'est de les fédérer toutes. Faut que toutes les associations travaillent ensemble. Quand vous allez arriver au pôle le matin, toutes les associations, elles vont bosser pour faire un truc de malade, des événements de malade. Toutes les soirées, il y aura des assos. Et les voyages, vous inquiétez pas, le premier est à Amsterdam. Et les dames sont toutes invitées. Ouais. Et Slide, monsieur Louis est là. Slide, le voyage au ski va être incroyable. Vous êtes tous invités. Et petite pub, le 19 septembre, soirée de malade au sens appelé le baroque actuellement. Mais attends, tout le monde est invité, mais c'est payant ou... Bah oui, normal. Ah, 10 euros, d'accord. C'est pas cher. On fait comme on peut. Voilà. Non, bon, bah moi j'ai deuxième question. J'ai eu mes réponses. Une autre question, qui veut poser une question là?
Les effets spéciaux, tu veux poser une question? Non, non, la parité, Mehdi, attends. T'as une bonne question, le caméraman pose des questions dans cette émission. C'est l'émission où tu participais, tout le monde, les OJT en force. Donc ma petite question en fait, c'est pour vous les filles. Avance-toi. Viens là à côté de nous Mehdi. Alors, petite question pour les filles. On a vu que vous aviez une liste que de filles justement. Et en fait ma question c'est de savoir comment vous allez faire lors de vos soirées, puisque si vous êtes élus, vous allez organiser des soirées. Comme on avait fait avant. On sait que les femmes bossent pas, mais c'est un peu, je vais pas le dire à la caméra, mais voilà. Mais pour gérer tout ça, pour gérer les incidents qu'il y aura, parce qu'il y en a souvent dans une soirée aussi, pour vous faire respecter des videurs et tout ça, quoi. Genre, petite question, parce que vous avez dit que vous avez des mecs dans votre staff, mais est-ce que vous allez faire passer votre staff avant vous en termes de droits ou de pouvoir dans vos soirées? Voilà. Très belle question. On a appelé M. Zaragoza qui va me donner un cours de droit, là. Donc voilà ma question. Alors pour te répondre, oui effectivement il y aura des garçons dans le staff. Maintenant je pense qu'on a assez de caractère pour pouvoir s'imposer. On a remarqué que souvent les filles sont plus organisées, donc niveau soirée et journée de campagne, je me fais pas de soucis. Oh, c'est une attaque. C'est ça les garçons, on verra plus tard. Donc voilà, donc nous on pense pouvoir bien s'organiser. En plus, on est des filles avec de l'expérience et on a hâte de la transmettre aux autres. Bah, ayant ceux qui disent ça n'ont peut-être pas fait de BD ou d'Assos, ils devront essayer parce que c'est génial. Bibi, ouais, je crois que merci pour la, merci pour cette réponse riche en émotions. Une question DLK. Ah. Putain, tu vois, c'est toujours le B2 qui bosse, même chez Poltech. Alors moi, c'est pas une question que j'ai. Oh, pression. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, ça tourne en rond. Et j'ai envie que ça passe au concret. Tu vois ce que je veux dire? On applaudit. Donc moi, concrètement, ce que je vous propose, là, tout de suite, maintenant, tu prends ta liste. Je prends la tienne. On se retrouve là-bas dans 5 minutes. Allez. Et un battle direct. Direct. Okay. Allez. Oh. Est-ce que vous êtes chaud les filles? Polémique. Nous LKW, ça se règle sur la piste de danse. On est là. On vous attend histoire de voir si vous êtes capable de foutre le feu quoi. Ok. Allez, c'est parti. Mieux que LKW, je sais pas. Bonjour. Comment tu t'appelles? Emeline. T'es en quelle année? Première. Tu rentres dans quelle école? EMLV. T'es célibataire? Eh, hey, c'est une question normale! Oui. Ah, elle est célibataire, hein! Elle est là! Bon alors, qu'est-ce que t'attends d'un BDE? Je sais pas c'est quoi. Non mais, ouais. Qu'est-ce que t'attends de ton année? D'autre que les cours, faut s'amuser un peu. Bah, qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit sympa, les gens s'entendent tous ensemble, c'est bien. Non mais c'est cool, ouais, je vois. C'est bien. Ouais, voyage. Comment ça se passe? Voilà. Les... Ah, tu veux des voyages? Quelle destination s'intéresse? Le ski, je suis jamais allé au ski. Qu'est-ce que vous proposez pour le ski? Alors, par rapport à notre relation qui est vraiment... Est-ce que vous voulez parler, les filles? On est parti, je continue. Alors voilà, on a une relation privilégiée avec Slide, l'association de ski. Donc notre objectif l'année qui va suivre, c'est de faire vraiment un voyage au ski qui va être incroyable. On l'a fait l'année dernière, on a contribué à une organisation d'une espèce de folie douce qui va être fois 1000 cette année. Donc rendez-vous au ski, le ski, tu vas y aller, on sera avec toi, t'inquiète pas, tu vas pas tomber. Et après, t'inquiète pas que tu vas grave danser, donc viens, y'a pas de problème. Voilà. Ah, ben il faut. Non, il faut pas. Bon, bah, c'est pas grave. Et bah, pour le ski, nous, on va évidemment travailler avec Slide, puisque c'est l'association qui se travaille, qui propose ce voyage au ski. Et comme ça marche depuis toutes ces années, et bah, on s'est dit qu'une bonne formule, on la continue. Donc, ce sera le ski avec Slide. Moi, je suis à côté de la direction de l'EMLV qui a des questions pour vous. Oh, merde, c'était pas prévu, Wagner. Ça. Je sais pas. Là, vous me promenez quand même un peu à sec. J'ai entendu tout à l'heure, oui, quelque chose sur les 50 ECTS. Quelque part, ça m'interpelle. Attend, mais est-ce que vous avez d'autres propositions de type pédagogique? Type pédagogie. Alors, nous, on propose un parrainage avec des étudiants. Les étudiants qui le souhaitent pourront choisir une sorte de parrain de leur école d'une année qu'ils veulent et comme ça pourront poser des questions n'importe lesquelles elles veulent. Pas mal. Et l'autre liste? Donc comme on l'a dit précédemment,
On a vu l'année dernière que le parrainage a fonctionné, mais ça, c'était pas vraiment la chose qui manquait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal, c'est de ramener des personnalités au sein du pôle, puisqu'on a des locaux vraiment extraordinaires. Donc, faire vraiment des conférences libres, ouvertes à tous, et en mêlant vraiment les trois écoles, parce qu'on pense qu'à l'avenir, travailler avec un ingénieur, pour quelqu'un de l'EMLV ou quelqu'un qui fait des sites web ou de la créa, c'est vraiment une chance. Donc, on va vraiment fédérer les trois écoles pour pouvoir commencer déjà à faire du concret et se faire vraiment des relations. Donc on va vraiment fédérer toute l'école, plus que du parrainage qui se fait entre un élève et quelqu'un du BDE. Ça va vraiment être tous les étudiants qui vont être mêlés ensemble pour des conférences où il y aura tout le monde. Donc rendez-vous l'année prochaine, je l'espère. On passe à la piste de danse. Allez, évidemment, c'est parti. Avec plaisir. Merci à tous.